position. Au temps. Fixe. Au temps. Fixe. Go. Attention. Vive le Goyé, peuple Guinée. Vive le Goyé, peuple Guinée. Vive la République. Vive la République. Attention pour la montée des couleurs. Prêt. Envoyez une, deux, trois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin et j'espère que vous êtes en pleine forme. Chers enfants, savez-vous que le 20 novembre prochain sera célébré l'an 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant? À cette occasion, l'équipe de Petit à Petit de la télévision nationale va à la rencontre du gouvernement des enfants de l'école primaire Les Dabadins, 6 à Donka. L'entretien va porter sur deux thématiques. La première, la scolarisation des filles. La seconde, le changement climatique. Une initiative de l'UNICEF, cette ONG qui fait la promotion des enfants. Mais avant, mes chers amis, qu'est-ce que la Convention relative aux droits de l'enfant? Eh bien, la Convention relative aux droits de l'enfant est un texte adopté par les Nations Unies qui définit toute la gamme de droits auxquels les enfants du monde entier peuvent prétendre. Elle fixe des normes fondamentales concernant le bien-être des enfants aux différentes étapes de leur développement. La Convention relative aux droits de l'enfant se compose de 54 articles, chacun d'entre eux traitant en détail d'un type particulier de droit. On peut les diviser en quatre grandes catégories. En première position, les droits concernant la survie. Les droits, deuxième position, les droits concernant le développement. En troisième position, les droits concernant la protection. Et en quatrième position, les droits concernant la participation. La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée le 20 novembre 1989 et notre pays, la Guinée-Conakry, a été le 14e pays à signer et à ratifier cette convention. Voilà, mes chers amis, c'était quelques informations sur la Convention relative aux droits de l'enfant. À présent, nous partons à la rencontre du gouvernement des enfants de cette dite école, l'école primaire Les Dabadins. La lecture, c'est utile pour la jeunesse.
sensation de bien-être. Pour que heureuse soit notre jeunesse, pour qu'éduquée soit notre jeunesse. La lecture, moyen le plus sûr de sortir de nos murs, pour reconstruire une jeunesse, une jeunesse en désuétude. Passons par la lecture pour aider notre jeunesse à se développer. Recourons au livre. Jeunesse, prends ton livre en toute confiance. Voilà, comme je l'ai dit, nous venons rencontrer le gouvernement des enfants de l'école primaire Les Dabadins et nous allons suivre leur conseil, le conseil des ministres. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Swadouba, j'ai 11 ans, je fais la 6e année B. Je suis la première ministre du gouvernement des enfants de mon école. Les objectifs de mon gouvernement sont assurer la propreté interne et externe de l'école, veiller sur la qualité des aliments et de l'eau consommée à l'école, sensibiliser les parents pour la scolarisation des enfants, surtout les jeunes filles, organiser les cours de révision à travers le tutorat, organiser les activités sportives, culturelles et artistiques, recenser les enfants orphelins, les enfants victimes de divorce, les enfants handicapés, les enfants confiés en vue de les sensibiliser et les encourager à prendre les études au sérieux, organiser les cours de remédiation. Je suis fière d'être première ministre de mon école. Pour terminer, je donne la parole à chaque ministre de se présenter et présenter ses responsabilités. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Catherine Onivogui, j'ai 12 ans, je fais la 5e année A. Je suis la ministre de la Santé. Mes responsabilités sont les suivantes. Chaque matin, dans les classes, à travers les cahiers de visite, nous recensons les élèves malades qui sont conduits vers les centres de santé les plus proches. Nous exigeons l'utilisation régulière de l'eau de Javel pour désinfecter les latrines. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Massouma, j'ai 12 ans, je fais la 5e année A. Je suis la ministre de l'eau. Mes responsabilités sont les suivantes, d'informer et de sensibiliser mes camarades sur l'importance de l'hygiène et de la propreté de l'eau. Je collabore directement avec les ministres de la Santé. L'environnement est pour m'assurer que mes camarades utilisent l'eau potable et des latrines propres. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Aissata Fofana, j'ai 12 ans, je fais la 6e année B. Je suis la ministre de l'Environnement.
Mes responsabilités sont les suivantes. Je suis chargée de maintenir la propreté et l'embellissement de l'école. Je veille à ce que les filles et les garçons accomplissent les mêmes tâches. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Ibrahima Sori Konté, j'ai 11 ans, je fais la 6e année B. Je suis le ministre de la lutte contre la discrimination. Mes responsabilités sont les suivantes, sensibiliser mes camarades d'élèves en vue de lutter contre toute forme de discrimination, en les invitant à être tolérants les uns envers les autres. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Fodé Diallo, j'ai 14 ans, je fais la 6e année A. Je suis le ministre de la Solidarité. Mes responsabilités sont les suivantes. D'amener mes camarades à avoir l'amour de la patrie, à s'accepter les uns et les autres, sans aucune discrimination. Connaître les droits et les devoirs du citoyen. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Selou Kiaté. J'ai 11 ans. Je fais la 5e année A. Je suis le ministre de la discipline. Mes responsabilités sont les suivantes. Assurer l'application effective du code conduite et du règlement intérieur de l'école. Sensibiliser régulièrement mes camarades à respecter nos maîtres. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Mohamed Kamis. J'ai 13 ans. Je fais la 6e année A. Je suis le ministre des Sports et de la Culture. Mes responsabilités sont les suivantes. Développer les activités sportives et culturelles dans mon école pour faire connaître et valoriser notre culture. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Dienab Sori Diallo. J'ai 13 ans. Je fais la 6e année A. Je suis la ministre de l'Intendance. Mes responsabilités sont les suivantes. Contrôler la disponibilité et l'état des tables, des chaises, des armoires, à sensibiliser mes camarades à ne rien casser, ni salir, pour que le corps soit toujours joli et propre. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Aïssat Sow, j'ai 13 ans, je fais la 6e année A. Je suis la ministre de l'assainissement et de l'hygiène. Mes responsabilités sont les suivantes. Elles sont comme celles du ministre de la Santé. Sans assainissement, il n'y a pas de santé. Je veille à la propreté de l'école et de l'environnement, à rapport direct avec les élèves. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Sarah Nsissé. J'ai 12 ans. Je fais la 5e année B. Je suis la ministre de l'Éducation. Mes responsabilités sont les suivantes. Je suis chargée de travailler en commun accord avec les autorités de l'école. Sensibiliser la PAE à construire une bibliothèque en vue d'accepter, d'encourager la lecture à l'école. Je vous remercie. La lecture, c'est utile pour la jeunesse, procurant des sensations de bien-être. Pour qu'heureuse soit notre jeunesse, pour qu'éduquée soit notre jeunesse. La lecture, moyen le plus sûr de sortir de nos murs, pour reconstruire une jeunesse en désuétude. Passons par la lecture. Aider notre jeunesse à se développer, recourant au livre. Hey, hey. Jeunesse, prends ton livre en toute confiance. Il faut lire, il faut lire. Les enfants, il faut lire. À toute la Messieurs, vous venez de suivre l'intervention des membres de mon gouvernement. Je ne saurais terminer sans remercier l'UNICEF de son implication en faveur des enfants de Guinée, d'une part et du monde d'autre part. Je vous remercie.
L'ordre du jour va porter sur deux thématiques. 1. La scolarisation des filles. 2. Le changement climatique. Je donne la parole à Madame la ministre de l'Éducation. Pour parler de la scolarisation des filles, nous allons suivre une scénette pour ce thème. L'eau avant. Ça va? Ça marche? Ça va. Pourquoi toi, tu n'as pas été à l'école? Je ne suis pas à l'école. Pourquoi on t'a pas mis à l'école? Parce que mon parent n'est pas le moins. Ah, tes parents ne sont pas au monde? Oui. Pourquoi? Je n'ai pas de l'argent. Mais tu veux étudier? Oui. Tu veux étudier? Oui. Ah, viens, moi, je t'inscris à l'école. Ah. Bissab fait là. Bonjour. Bonjour, ça va? Tu n'étais pas à l'école? Oui. Pourquoi? Ma mère n'a pas l'argent. Il n'a pas d'argent? Il n'a pas d'argent. Oui. Mais tu veux étudier? Oui. Ah, viens, je veux scolariser. D'accord. Karankani, la Guinée de nous, Karankani. Karankani, la Guinée de l'eau, Karankani. Bissab la vendre. Tu ne connais pas que c'est l'heure de partir à l'école? Je ne suis pas de l'école. Tu n'es pas à l'école? Oui. Tes parents n'ont pas fait entrer à l'école? Non. Il a dit qu'elle ne prend de l'argent. Mais tu veux étudier? Tu veux étudier? Oui, je veux étudier. Tu veux étudier? Oui, je veux étudier. Si tu veux étudier, alors moi je vais te faire rentrer à l'école. J'ai compris. Alors, allons-y. Wera so garande. Nanambore muna. Odiginera so garande. Nanambore muna. Wera so garande. Nanambore muna. Odiginera so garande. Nanambore muna. Wera so garande nanambore muna odiginera so garande nanambore muna. Bonjour mes amis. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai vu la fille là vendait jingang qu'elle n'est pas partie à l'école. Voilà, c'est ça que nous avons dit. Nous sommes arrêtés ici, c'est pour les deux là. Pour l'autre vendait bissab, l'autre vendait bonbon. Quelle solution on peut trouver les trois filles là? Pour les trois filles là. Moi, je pense qu'on doit partir directement à la présidente de l'APAE. Oh, d'accord, on va partir. Bonjour, monsieur le président de l'APAE. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Vous êtes venu pour quel sujet? Nous sommes venus pour scolariser ces trois filles. Comment? Nous avons rencontré ces trois filles dans les rues qui disent qu'elles ne sont pas à l'école, que leurs parents n'ont pas le moyen pour les scolariser. Pour ce sujet, j'aimerais dire de partir directement à l'école primaire d'Abadem. Là-bas, on ne paye pas la scolarité. On amène les extraits de naissance et leurs photos. Levez-vous et partons. Où est la sogarande? La sogarande? La où est la sogarande? Bonjour là, madame la ministre de l'Éducation. Bonjour monsieur le président de l'APAE. On est venu pour scolariser ces trois filles. En tant que ministre de l'Éducation, au nom de mon département, je m'engage à scolariser ces enfants. D'accord madame, merci, je vous remercie. Je vous remercie. À vous aussi.
On a fini là sur la scolarisation des filles. La deuxième, c'est le changement climatique. Oui, madame la ministre de l'Environnement. En tant que ministre d'Environnement, nous vous proposons une sénate sur l'environnement. Il fait beau jour ce matin. Bonjour maman. Ça va mon fils? Il fait tard, nous allons partir au champ. Ah, attends, je vais appeler ton père. Con, mon mari. Il est tard, on va descendre au champ. Je sors vite. Karim, Abou, Mamadba, Seni, allez-y prendre les outils de travail, on part au champ. Toi, tu prends les bagages. Toi, allez-y couper les arbres là. Les autres, on travaille. Toi, va brûler la partie là. Les autres, on travaille. Bonjour. Ça va? Bonjour à vous aussi. Vous allez bien? Oui, monsieur. Alors, bonne journée. D'accord. Hey, arrête. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Je coupe les bois. Tu coupes pour faire quoi? On coupe, on les brûle, on fait les charbons. C'est ça qu'on va se nourrir. Vous nourrissez avec ça? Oui. Ah ouais, allons-y. Hey, arrête. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Je coupe les arbres. Tu coupes pour faire quoi? Je coupe les arbres pour faire du charbon, après on nourrit. Vous nourrissez avec ça? Oui. Ah ouais, allons-y. Hey, arrête de brûler. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Arrête de brûler. On brûle les gens pour avoir le manger. Vous nourrissez avec ça? Oui. On vous a pas dit que brûler les gens n'est pas bon? On n'a pas compris. Allons-y. Namoufande Nyamanebe. Namoufande Nyamanekwi. Nyamanade Ratore Nanara. Bonjour la ministre de l'Environnement. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va bien. Merci. J'ai rencontré ces gens-là, couper les bois, l'autre brûle le champ. En tant que ministre d'Environnement, au nom de mon département, je m'engage à lutter contre les feux de brousse, la coupe abusive du bois et d'autres pratiques. Je vous remercie. Merci madame. Bon, c'est la fin des conseils. Je vous remercie, vous tous. Voilà, mes chers amis, nous étions avec le gouvernement des enfants de l'école primaire Les Dabadins 6 à Donka. Nous avons suivi avec attention le conseil des ministres, présidé
par une demoiselle. Je suis vraiment très contente que la première ministre soit une fille. On applaudit fort. Elle a su gérer ce conseil des ministres et on a aussi suivi